waouh, mais que se passe-t-il encore ici? Les enfants ont décidé d'être gentils avec leurs parents et de les offrir le cadeau de rêve. Ah, mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, c'est tellement joli que j'ai décidé de vous partager cette vidéo. Faites de même et abonnez-vous. Allons voir ça. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. Nous allons au studio. Ce que nous allons voir, c'est joli. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Ah! Ça va tellement donner de joie. Aujourd'hui, nous voulons partager la joie avec vous. Soyez en joie, mes frères et sœurs, soyez en joie. Mais regardez ça. Un père va avoir une surprise. Une surprise hors du commun. Il va même attraper sa bouche comme ça. Ah! Que s'est-il passé? Et sa fille à côté est en joie parce qu'elle voit son père en joie et surpris. Mes frères et sœurs, ce sont des sentiments hors du commun. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Regardez même ça. Et le père est ici. Et il va recevoir un cadeau. Bon, lui-même en ce moment, il ne s'y attendait pas. L'enfant est en train de lui dire, viens, sors, va. Viens, il y a quelque chose dehors qui t'attend, viens voir. Et lui, il sort sans même savoir ce qui se passe là-bas. Ou qu'est-ce qu'il attend? Selon vous, qu'est-ce qu'il attend de voir? Qu'est-ce qu'il attend de voir? Il est là, la chose est devant lui. Mais il n'a pas idée que ses enfants... Bon, peut-être qu'il ne savait pas que ses enfants pourraient lui offrir ça. La chose est où? Regardez bien ici. La chose est ici. Il regarde à gauche, à droite, comme s'il cherchait les oiseaux. Alors là, que va-t-il se passer quand il va voir le véhicule? Regardez même ça. On lui dit, regarde devant. Oh, il regarde et il attrape maintenant sa bouche. Quand vous mettez des enfants au monde et qu'ils vous honorent de la sorte, vraiment, ça fait plaisir. Et il est tellement dépassé. C'est une voiture qu'il a toujours rêvé d'avoir. Et ses enfants, qui ont su cela depuis longtemps, ils se sont tout simplement préparés à lui faire cette surprise un jour. Et le jour est venu. Et regardez. Le père est en joie. Très grande joie. Ce qu'il n'a pas pu avoir de sa vie, les enfants qu'il a mis au monde, lui ont accordé. Un autre père ici va aussi recevoir un cadeau incroyable venant de son fils. Il sera tellement surpris par cela qu'il va tout simplement se mettre à pleurer. Vous allez voir ce qui va se passer. Là, le fils lui dit, c'est ta voiture, papa. Il a du mal à y croire. Il va d'abord s'asseoir à l'intérieur, embrasser son fils, s'asseoir et pleurer. Ah, mes frères et sœurs, selon vous, pourquoi pleure-t-il ici? Pourquoi pleure-t-il? Ah, pourquoi pleure-t-il? Ça me touche. Ça me touche comme ça. Donne-moi une réponse, mes frères et sœurs. Son fils ne va pas le laisser dans cette situation. Il va venir le consoler. Et ça, c'est très beau. C'est une très belle image. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est hors du commun. Le père va maintenant tester la voiture. C'est une grande joie qui est venue dans la famille. C'est vraiment émotionnel. Une voiture n'est rien, mais le geste, c'est le geste là qui compte. Quel que soit ce que vous offrez à vos parents comme cadeau et autres, franchement, les parents vont tout de suite apprécier cela. Parce que c'est vraiment grand pour eux. C'est comme une chose très grande. Vous allez voir ça, regardez maintenant ça. Son fils va lui donner un truc qui ressemble à rien. Juste une petite chose, le père ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur, mais il essaiera de l'ouvrir. Et il ouvre, il voit une clé
une clé de voiture. Et Sophie lui dit, viens dehors. Viens dehors. Il ne s'attend pas à ce qu'il va voir. Mais il va quand même sortir et voir ce qui se passe dehors. Et il ouvre sa bouche. Regardez comment il a ouvert sa bouche. Il venait juste pas derrière, vous allez voir. Ah, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va voir, mes frères et sœurs? Que va-t-il voir? Que va-t-il voir ici? Qu'est-ce qu'il va voir? Ah, regardez même ça. La partie même où il a ouvert sa bouche là-même. Voilà, regardez comment il a ouvert sa bouche. Ah, quand quelqu'un ouvre sa bouche comme ça, c'est qu'il a fait un truc énormissime. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Waouh! C'est une voiture hors du commun. C'est une voiture très chère. Franchement, il ne s'y attendait pas. Il est même surpris. Mais ah, qu'est-ce qui s'était passé aujourd'hui? Et mon fils m'a fait un truc. C'est vraiment énorme. C'est comme regarder comme c'est grand. Ça, ce sont des choses simples. Mais, comme on vous l'a dit, ce sont les seules gestes qui comptent. Regardez. C'est sa voiture de rêve. Il a toujours rêvé d'avoir une telle voiture. Là, il est en joie. Il est content. Et il est fier de son fils en même temps. Il est fier de son fils. Voici encore un autre père qui va être tellement dépassé parce que son fils va faire que vous allez voir sa réaction. Il était tranquillement en train de jouer comme ça. Regardez, il était en train de jouer. Et sa fille lui dit, papa, il y a quelque chose qui t'attend dans le garage. Bon, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il regarde et voici, il voit un truc extraordinaire là-bas. Sa première réflexion, c'est d'embrasser son fils de tout son cœur. Oh, c'est incroyable. Quand il a vu ça, il était tellement content. Son fils vient de lui offrir la voiture ses rêves. Une chose qui est simple, mais qu'il aime, il aimerait vraiment avoir. Il y a toujours une chose que nous souhaitons avoir dans notre vie. Même si cette chose est matérielle, une chose est sûre, c'est que quand on l'a, on est satisfait, on est content, on se sent accompli. Et le Père sent quelque chose d'extraordinaire. Il est tellement content pour le cadeau qu'il a offert son fils. Je dis bien, son fils! Et regardez comme il est en joie. Ah! Bon appétit, papa! Bon appétit! Voici encore deux enfants qui ont des cadeaux. C'est juste une vidéo. C'est une vidéo extraordinaire. Vous voyez? Dieu est notre Père aussi. Et Dieu aimerait vraiment que nous lui offrons quelque chose de spécial, ce qu'il attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on obéit à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Tu m'aimes, si tu m'aimes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu. Nous conduire en merveille. Parce que c'est ce qui est juste. Si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo, mes frères et sœurs, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime. Ah! Avez-vous déjà fait un tel cadeau, un cadeau, ne serait-ce que même le plus petit, à un parent, à votre parent, à votre père ou à votre mère? Moi, ça, c'est mon travail. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça pour le moment. Mais vous allez voir les choses trop bien que vous venez encore. Cliquez sur notre bonne. Allez sur la page d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Les choses extraordinaires que nous avons envie de vous montrer, ça risque d'être mystérieux. Let's go!